Bonjour à tous. On va s'intéresser au même problème que dans la précédente vidéo, c'est-à-dire à cette balance qui est à l'équilibre avec un objet dont le poids est mystérieux et qu'on cherche à trouver. Mais cette fois, au lieu d'expliquer les choses juste avec des mots et du bon sens, on va s'appliquer à l'écrire sous forme mathématique. Parce que souvent les mathématiques, c'est ça, c'est rien d'autre qu'un langage qui permet d'exprimer un raisonnement de manière rigoureuse qui sera comprise par tout le monde et une fois qu'il est maîtrisé de manière un peu systématique, permet de s'appliquer à plein de cas et à plein de situations. En particulier, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on pourra traduire le fait que notre balance est à l'équilibre, et je vais déjà un peu vous donner un indice en vous rappelant que les deux poids ici sont égaux, c'est pour ça que la balance est à l'équilibre. Mais commençons par regarder ce qu'on peut dire concernant notre plateau de gauche. Le poids de ce qu'il y a à gauche, on sait qu'il est composé du poids du point d'interrogation qu'on va exprimer en kilogrammes et des 3 kilos qui sont avec lui. Dans mon plateau de gauche, j'ai un certain nombre de kilos représentés par ce point d'interrogation plus 3 kilos. Maintenant, dans mon plateau de droite, c'est encore plus facile, j'ai juste à compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos. Enfin, vu que notre plateau est à l'équilibre, ça veut dire que ce qu'il y a à gauche pèse autant que ce qu'il y a à droite, autrement dit, ce poids est égal à ce poids. Ça veut dire que notre point d'interrogation plus 3 est égal à 10. Et là, on vient précisément de poser une équation dont l'inconnu, c'est notre point d'interrogation. On a une équation qui nous dit que point d'interrogation plus 3, c'est égal à 10. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment mathématiquement on va résoudre cette équation. Eh bien déjà rappelons-nous, qu'est-ce qu'on a fait dans la vidéo précédente On voulait isoler cet objet, et pour ça on a fait disparaître les 3 kilos qui étaient dans le plateau de gauche, mais on a bien insisté sur le fait que si on voulait garder l'équilibre, il fallait aussi enlever les 3 kilos qui sont dans le plateau de droite. On s'est retrouvé dans cette situation. Eh bien on va traduire mathématiquement ce qu'on vient de faire ici. Encore une fois, on voulait isoler cet objet, on a donc retiré ces 3 kg. C'est-à-dire qu'on a enlevé 3 au plateau de gauche. Mais si j'avais ça, je détruirais mon égalité parce que j'ai enlevé 3 à gauche sans rien faire à droite. Mon plateau serait plus équilibré. Donc c'est important de ne pas oublier qu'on va aussi traduire le fait qu'on a retiré 3 kg à droite. Et mon équation devient mon point d'interrogation plus 3 kg auquel j'ai enlevé 3 kg c'est égal à mes 10 kg de droite auquel j'ai enlevé 3 kg. Maintenant, il faut qu'on calcule ces expressions, qu'on les simplifie. 3 moins 3, on sait que ça va faire 0. Donc à gauche, il nous reste juste notre point d'interrogation. Et il va être égal à 10 moins 3, c'est-à-dire à 7. On observe que c'est bien ce qu'il y a dans notre balance. À gauche, juste notre point d'interrogation. À droite, 7 kg. On a donc résolu notre équation. Le poids de gauche pèse 7 kg. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir.